Certains investisseurs veulent réaliser un profit à court terme. Ils pensent pouvoir faire une bonne affaire en un minimum de temps, en achetant et en revendant au bon moment. Vous pouvez bien sûr faire des bonnes affaires sur le court terme, mais la spéculation comporte aussi des risques. À court terme, les cours peuvent considérablement fluctuer. Vous êtes donc obligé de suivre de près l'actualité économique et de bien évaluer différentes évolutions. Le climat économique général, les taux d'intérêt, les taux de change, les résultats des entreprises, tout est lié. Investir à court terme nécessite donc un bon niveau d'expertise, de l'énergie et de la chance. Notre expérience est que cela ne paye pas et que vous accumulez beaucoup de risques. Avez-vous un objectif relativement proche dans l'avenir? À 1-2 ans, vous offrir un grand voyage, acheter une nouvelle voiture. Pour cela, la solution, c'est d'épargner et non d'investir, car le risque serait dans ce cas trop élevé. En investissement à long terme, ce qui est en général le cas pour la plupart des vrais investissements, vous protégez mieux contre les fluctuations possibles. Les pics et les creux s'alternent, mais avec un horizon d'investissement d'au moins 5 ans, vous en verrez moins les effets. Vous devez pour cela être en mesure de pouvoir vous passer de votre argent que vous investissez pendant au moins 5 ans. Un investissement à long terme est plus facile et plus sûr. Choisissez un investissement que vous comprenez bien et qui correspond à votre personnalité. Vous cherchez du rendement? Choisissez alors un investissement un peu plus risqué, avec beaucoup de potentiel. Vous êtes plutôt prudent de nature? Misez sur une certitude suffisante et optez pour un rendement limité. Vous voulez savoir quels investissements correspondent le mieux à votre profil de risque? Ou vous avez d'autres questions concernant votre argent? Venez nous rendre visite dans votre agence Crélin.